Salut à tous, salut à toutes, c'est DR46 pour la suite et peut-être fin de cette mini-série Let's Play sur Sons of a Solar Empire Rebellion. Bah, si ça vous plaît, on pourra faire des parties un tout petit peu plus complexes, voire même du multi, je me répète, mais j'ai pas eu vraiment beaucoup de propositions. Alors, on en était resté sur le fait que j'avais une mauvaise surprise. Je me suis fait buter un capital ship à la dernière partie là sur ce système de Mjolnir. Il y a ça, c'est la corporation Tondam qui a eu un petit sursaut d'orgueil et qui a failli me prendre le système. Enfin, pas vraiment, parce que là j'ai réussi à rapatrier deux flottes. Là j'ai ma plus grosse actuellement qui a toujours son Battle Cruiser de neuf Capital Ship, là, qui est une flotte relativement puissante, et puis une autre plus petite avec 6 percherons, donc mes fameux porte-avions, voilà. Et puis il y a encore des frégates loot, enfin des croisiers. Alors, des croisiers, j'arrive pas à parler, j'ai une longue journée, les gars. Hein. Donc les cruisers, les croiseurs, voilà, je vais y arriver en français. Son nombre de 7, un petit peu là, blessé, on va les dire, d'aller se réparer gentiment. Et puis, je vais aller envoyer gentiment ma flotte jusque là-bas, parce que je suis attaqué dans ce système. Là, ils ont leur flotte qui est ici. Attendez, je vais lancer juste le... Il est en pause, le jeu. Voilà. Deux fois, une fois. Là, j'ai quelques chasseurs qui vont pas les retenir très très longtemps. Donc voilà, ma flotte est en route. Je les laisse ici au cas où nos amis là se réveillent encore. Et puis on a nos titans qui est en construction ici. Ça m'a coûté très très cher. Alors lui, je me le réserve un petit peu. On en est à peu près à la moitié. J'ai lancé ici plusieurs constructions de vaisseaux pour lui adjoindre une petite escorte digne de ce nom. Avec 14 croiseurs de différentes classes. 8 frégates. Et puis un battleship encore que je suis en train de construire. Peut-être que je l'adjoindrai en fait à l'autre flotte ici pour nettoyer ce qui reste là. Parce que même si je les détruis tous, je suis pas sûr que j'ai gagné la partie parce que la condition de victoire étant de contrôler ce système indépendant qui est très très lourdement défendu. Qui est ici représenté par la faction neutre. J'aurais jamais eu cette condition de victoire, bah je voulais l'explorer avec vous. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bon, j'ai mes chasseurs là, c'est essentiellement des petites frégates. Pas tellement dangereux, pour être tout à fait franc, mais bon. Tourelle Gauss. Je vais en mettre une ou deux, qu'ils les construisent en attendant. Est-ce que j'ai le temps de construire encore? Voilà. Une nouvelle base de chasseurs. Dès que ce sera prêt, il y en aura deux de plus. Voilà, ils souffrent, hein, les petits chasseurs. Hein, ils se font démonter. Hein, ils sont quand même pas mal de frégates. Bon, pendant ce temps, ça se bouge gentiment. Ouais, là, c'est relativement bien défendu. J'ai pas trop à craindre, à mon avis. Et puis, voilà. Ouais, ça, c'est mes vaisseaux qui sont en train d'être construits gentiment dans ma capitale. Ouais, oh, il y a déjà le capital ship. Ouais, on va lui mettre un petit coup de rayon Gauss. Je vais les bouger gentiment, ouais, déjà par là. Des fois que j'ai besoin de me rapprocher un petit peu. Ici, ils se bougent tout lentement. Est-ce que là, je pourrais en profiter? Ouais, niveau ressources, finances, je suis vraiment tranquillou, là. Attendez, je suis en train de vendre quoi? Du métal, ouais. Je pourrais acheter un petit peu de cristal, voilà. On a encore du métal, j'en ai pas mal. Là, je suis à combien de production? 6 points par tour. Pas mal, pas mal, pas mal. 2.3 pour le minerai, ça c'est pas terrible. Enfin, le cristal. Là, les chasseurs. Ouais. D'ailleurs, je peux voir que c'est ceux-ci que j'ai sélectionné là. Ouais. Ils souffrent, les gars. Fighter Squadron, là, il est à 50%. Bon, ça les maintient là dans la périphérie le temps que ma flotte se bouge et puis viennent leur démolir la tête. Tiens, il y a un petit orange qui se balade dans le coin. Ah, c'est encore ces fameux Neruda. Vaisseau diplomatique, s'il en est. C'est pas si... Je sais plus comment ils agissent, je les ai jamais vraiment utilisés. Bah. Ah, mais non, mais je suis bête, je les attaque alors que c'est mes alliés. Décidément, je les reconnais jamais. Ok, ça continue à bouger. On est bien. Et puis notre brave petit titan. Qu'est-ce que c'est long à construire, les amis. Ouais.
Là, on a dépassé. Est-ce qu'on arrive à voir plus précisément la progression? Ouais, je sais pas, je vais encore l'annuler. J'ose pas cliquer dessus. Et puis ici, niveau construction. Bah, on a construit Capital Ship, les petites frégates, et puis là, on est en train de construire les croiseurs. Là, c'est essentiellement, je crois. Ouais, on va aller bouger là. Des porte-avions. Ok. Voilà, en plus, là, il y a mes amis qui ont quelques troupes. C'est quoi ça? Ouh là là! Amber Squadron, et puis là, c'est un TDN Chronis. C'est un porte-avions, celui-là, je crois, non? Voilà. Voilà, le backup arrive. Vous allez me faire un plaisir de me nettoyer ceux qui traînent là. J'ai les tourelles qui sont parées. Il n'y en aura même pas besoin. Puis ensuite, on va remonter gentiment pour nettoyer ce qui se passe par là. Alors, on avait vu que là, les deux trucs pirates sont vraiment très lourdement armés. Là, ils restent tranquilles, donc on va pas trop s'énerver. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ah, c'est juste, ils essayent de coller. Ah, mais ils ont réussi à coloniser cet astéroïde. C'est absolument inadmissible. Allez, on va les mettre en flotte. Et puis, ils vont aller nous nettoyer ça en attendant. Ils servent à rien sinon. D'ailleurs, au fait, est-ce que je peux leur dire de faire des. Ah non, ils ont pas de. C'est des Kodiaks, c'était pas des porte-avions. J'ai confondu. Alors, ici. Bon, bah voilà. Ils se sont tous taillés, je crois. Flotte à 100%. Allez, tout le monde se dock. On peut le faire manuellement. Bon, ça sert pas à grand-chose parce que là, je les envoie sur système et puis ils l'auraient de toute manière fait. Touk touk touk. Voilà, j'ai mon influence là, ma propagande qui va. Ah d'ailleurs, on en parle. C'est pas pour autant que je vais abandonner la recherche. On va améliorer les boucliers. Au niveau militaire, la coque, les lasers améliorés. Ouais, il y a pas mal de gens qui en bénéficieront. On va prendre meilleure visée. Là, on est bien au niveau des capacités de flotte civile. Ça va améliorer mes revenus. Ah, on va améliorer le cristal. Ah, j'ai plus de. J'ai quasiment plus de cristal, justement. Je vends, et j'achète, j'achète. Bon, en attendant, ils sont arrivés ici. Ouh là, il y a du monde. Ah bah, ils sont tous là. Ouh, il y a un battleship. On va tous se concentrer dessus. Allez, vous me faites ce battleship aux petits oignons. Ah, je regarde un petit peu là, sur la gauche. Là, les boucliers, ils sont en train de prendre, mais c'est mes petits vaisseaux. Allez, mon battleship est plus expérimenté. Enfin, mon capital ship. D'ailleurs, MP charge. Très bien, tu vas m'utiliser ça. Alors, lui, les boucliers sont en bas. Mon capital ship, il a bientôt ses boucliers en bas, hein, mine de rien. Voilà, c'est la petite barre bleue qui est quasiment bas. Ah non, je suis bête, je dis n'importe quoi, c'est l'antimatière. J'ai confondu les chips, ouais, il a à peine un tiers qui a été touché. Mais vous allez le démonter là? Ouais, c'est bon. Lui, il a déjà la coque qui est bien entamée. Bon, eux, c'est les percherons. Ça va, les shields, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Ah, lui, il va tenter une manœuvre d'évasion maintenant. Voilà, il se casse, vous allez tous lui courir après. Ouais, il s'échappe. Bon, je pense que dès que je me serais fait. Ah là, il y a une base de défense encore. Ah non, c'est une raffinerie orbitale, ça va. Et ça, c'est des cobalt, hein, c'est des frégates légères. Ok, bon, non, ça devrait le faire, franchement. Ok, on a passé d'antimatière. Oula, ça c'est toute la purée des javelis. Hein.
Attends, c'est les javelis qui font... Oui, c'est les javelis, ouais, c'est tout ça, c'est des missiles, des torpilles à longue portée. Et voilà, le battleship. Il est loin. Bon. Fuyez! Bon, maintenant, vous allez me nettoyer le reste. Ah, elle a quand même pris ma flotte, hein. Elle a quand même bien pris. Je me demande si je vais pas juste... Ah. Ouais, je crois que je vais l'épargner un petit peu. Je vais l'épargner un tout petit peu. Et puis, on va construire des Kodiak, des cielos pour réparer. Ça, c'est des Hachiko, ça donne différents bonus. Un ou deux percherons. Hop. D'ailleurs, là, du monde en plus, c'est de l'argent en plus. Et puis... frégate, d'accord. Là, j'ai pas assez d'argent pour le reste. La raffinerie orbitale, j'ai toujours pas. Pardon. Ah bah oui. Et c'est Shield qui sont en bas. Et c'est bon, là, je crois que j'ai finalement plus... Ah, mais il est toujours... Il est toujours là-bas, en train de se faire taper dessus. Allez. Bon, ça va. Il va résister. C'est le dernier à sauter, c'est le plus lent. Tout le monde se rue sur lui. C'est bon, il saute. On se sera fait leur capital ship. On va réparer toute cette histoire. Améliorer la flotte. Pardon. Et ça sera réglé. Donc là, ils ont une station de propagande. Là, vous voyez que ça lutte, entre guillemets, l'influence. Ok. D'ailleurs, juste vérifier où on en était. Pardon, je me... Voilà, j'avais envoyé ma flotte pour nettoyer tout ça. Du coup, mes alliés ont colonisé cette histoire. C'est bon. Alors, notre flotte, je crois que je vais la laisser par là, tiens. Et puis, notre titan, bon, je pense qu'il nous aura averti, hein, mais... Mais... J'ai l'impression qu'il n'avance pas. Pourtant, j'ai tout payé. D'accord, j'ai moins de fric, mais je l'avais déjà engagé. Bon. À suivre. Ici, ça reste tranquille. Il faut que j'aille un petit peu plus de ressources encore. On va accélérer un peu le temps que ça se construise. On est à 8 fois. Ok, ça bouge pas trop. J'ai mon influence qui se développe là-bas ou en bas aussi. Ok, on va ralentir. Alors, tout ça a été construit. Ça, voilà. Il y a encore tout ça qui doit être fait. Là, au niveau de la flotte, est-ce qu'ils se sont vaguement réparés? Tac, tac, tac. Ok. On va dire à la flotte, là, on va tous les mettre ensemble. De se bouger par là. Ok. Mais d'une manière générale, elle est déjà quasiment toute soignée. J'ai les shields qui remontent. On va attendre un peu. Les alliés sont attaqués, mais où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors, ce que je pourrais faire pour être vraiment tranquille, je bouge ma flotte ici. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. C'était pas voulu. Elle est, voilà, elle est là. Donc, on va l'envoyer ici. La fusionner avec l'autre flotte. Et puis peut-être aller bouiner les autres. La meilleure défense étant l'attaque, c'est bien connu. Ouais, je regarde un petit peu, ça bougeait. Ok. Alors, ici. Oui, tout le monde se répare gentiment. J'ai plus de frégate légère d'ailleurs. Je pourrais en faire une ou deux. Les javelis, c'est utile à distance. Ça fait du DPS, si on veut, en quelque sorte. Là, je peux construire un bombardier en plus, et puis le reste, ça sera des chasseurs. Ça fait quand même 13 escadrons. C'est pas mal. Tac, 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 ici. Ça continue à avancer, c'est quand même bien lent. J'avance, on est en x6. Ok, il faut faire attention de ne pas se faire avoir.
Voilà. Je vais ralentir un peu. Juste revérifier au niveau de la défense. Voilà, je pourrais faire les Neruda, des interdicteurs. Bon, je crois que j'en ai pas vraiment besoin. On peut améliorer encore le cristal parce que c'est ça qu'on récolte le moins bien. Et puis au niveau militaire, ça c'est quoi? C'est de la meilleure armure, impact 1, 5 military lab. Ça améliore les armures, ça aussi. On continue. Fréquence dynamique. Tous les titans et les... Ah, le Cold Battleship, j'en ai un. Ouais, on va prendre les fréquences dynamiques. Améliorer l'avionique des missiles. Et puis, on est déjà plus ou moins à sec. On va vendre. J'ai plein de métal. Je récolte ça comme des petits pains. Oh, on va aller juste moins vite. Vitesse normale. Alors, ici... Voilà. J'ai de nouveau une flotte à peu près respectable. Et vous allez sauter ici. Voilà, là il y a l'autre flotte qui arrive. Je pense qu'il y en a encore ici. Ouais les gars, ça bouge pas ce titan. Hein. Est-ce que là c'est en rouge, est-ce que je devais rappuyer dessus ou avoir plus de ressources que ça? Il me semblait qu'elles étaient engagées au moment où je les... Bon, on va voir ça parce que c'est bizarre. Ici, tout le monde est arrivé. On va attaquer sur les deux fronts. On a les moyens. En tout cas, j'imagine. Là, j'ai pas de capital ship, par contre. Ah si, j'en ai un. Je suis con. C'est con, je venais d'en construire un. Alors, vous jumpez ici. Et puis là, il y a la deuxième vague qui arrive. Oula! Ils sont nombreux, quand même. Excusez-moi, je bois un petit coup. Voilà. Alors, tout le monde fonce là au milieu. Est-ce que je peux leur faire du mal? Normalement, oui. On va essayer de rester en périphérie, pas aller vers les Kalongos. Oh, mais il y a un autre capital ship qui est là. Bon, ça va nous faire mal. Alors, je vais déjà construire la relève. Research complete. Encore quelques Kodiak. Ok. Alors, il est pas mal. Ah, ils ont eu le temps de se refaire, les petits cochons. All ordnance accounted for. Bon, comment ça va se passer? Je pense que je suis meilleur au niveau des recherches. C'est que déjà Vélis, là... Bon, je concentre tout sur leur capital ship, remarque. Est-ce qu'il tient le coup? Les shields, ça va. Une petite charge MP. Ouais, il est en train de prendre. Et puis moi j'oublie que... Ah ouais, ils sont en train de sauter sur ce système. Donc là on est sur Rabelais. La bataille de Rabelais. Ouais, ouais, ça prend. Là qu'est-ce qu'il a fait? Shield Restore, donc il a restauré les shields à la petite Javelis. Bon, je sais pas si c'est très rentable. Là il devrait péter dans pas long. Il se prend la volée de missiles de Javelis, est-ce que ça suffit? Ils poursuivent. 56 de coque sur 3400. Ça va péter maintenant. Vous approchez pas des tours Elgos? Bon, il pète ou quoi? Il a toujours 14. Ah, il a remis un peu de shield. Là, c'est bon. Ok. Reculez-vous, les amis. Non, je voulais toute la flotte. Ok. Bon, grossièrement, la flotte, ça va. Qu'est-ce qui se passe là? Ouh, il y a du monde aussi. C'est quoi tout ça? C'est des mines. Okay. Est-ce que ça leur fait très mal? Je sais même pas. Bon. Alors, ils se jettent sur le système. Ok. Donc là, il y a un TDN Vanifax. Donc, c'est un Battleship Class Call. Je les aime bien, vous aurez remarqué.
Là, bon, c'est pour faire des titans. Je vais peut-être juste attendre de me refaire un peu au niveau thune parce que je suis un petit peu frustré, vexé là. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Ouais. Je peux pas en mettre deux, d'accord, mais là, il y a la progression. Oh là, Capital Ship Shields down. C'est lequel? C'est pas lui. Ah bah oui, c'est là-bas. Il est en train de prendre. Ah, c'est lui, oui. Non, c'est ici. Bon. Décidément. Allez, on va revenir là. Maintenant qu'on a anticipé puis qu'on a quelques ships déjà en cours, est-ce que la troisième vague sera la bonne? Ça construit, ça construit. Ok. Là, on est en train de péter des trucs. C'est bien. Ça va, on se prend pas trop de dégâts d'une manière générale. Je crois que ça va se nettoyer sans autre. Donc là, j'ai encore un certain nombre de vaisseaux qui sont dispo. On va les envoyer ici. Ok. Alors, si la théorie c'est que j'ai pas cliqué ou je sais pas ce qui se passe avec les ressources, là, il me manque juste du fric. Il faut que j'aille au moins 1200 en minerai. Donc là, il manque une 9500. Là, on serait bon pour tout, mais là. Non, c'est bizarre, il y a un truc que j'ai du mal comprendre. Ou alors c'est beaucoup plus long et ça progresse pas du tout, mais. Tac, tac, tac. Non, je vais pas appuyer sur droite, je vais pas annuler. Là, je sais pas si vous voyez que moi, ça se construit normalement là. Surtout, je vois pas pourquoi ça se serait arrêté d'un coup. Est-ce qu'il manque de la capacité de flotte? Non, ça en prend deux et j'en ai deux là, mais il me semble que je les ai déjà engagés. Bon. Passons, on va dire pour l'instant. Ok, là, est-ce que tout le monde s'est remis de ses émotions? Tac. Ouais. Ouais, ils sont tous un petit peu, ils ont pris là. On va laisser les drones réparer tout ça encore un peu. J'accélère le temps. x4. Notre recherche a avancé. Un peu plus de shield, ça fera pas de mal. D'accord, là il m'en faut deux avant que j'avance pour des meilleurs missiles. Alors là, c'est fait. Ouais, encore en train de nettoyer. Ils se font de Neruda. Ouais, là, ils ont quand même pris un peu. Allez, hop, allez-vous refueler, réparer là-bas. Je ralentis à une fois. On rassemble tout le monde. Alors là, ça va bien. Tout le monde s'est refait à peu de choses près. Alors on renvoie la suite. Là, on quitte le système. J'ai des renforts qui devraient arriver. Où est-ce qu'ils se trouvent? Pardon. Voilà, ils sont en cours. Ils vont se réparer. On va refusionner ça. Et puis voilà. C'est comme ça. La technique du va-et-vient. Ok, c'est en route. Allez, un peu plus vite. On veut que ça avance. Voilà. Voilà, le plat de résistance arrive. C'est plutôt au dessert là, je crois. Pas de capital ship, de trucs. Voilà, ils sont tous là. En PLS. Dans la périphérie du système. Allez, larguer la purée. Ouais, tout le petit chasseur qui dégage. Oups là, mince, c'est pas très cinématographique ce que je vous fais. Voilà, ces petits traits rouges, ça représente les chasseurs. Vous voyez? Hop là, on va en suivre un. C'est Luke Skywalker.
Ah, c'est pas des animations de ouf, je vous l'accorde. Tac, tac, tac. Ah, ils les poursuivent, ils partent. Allez, pan, pan, pan. Ok, ça c'est les Kodiaks, c'est des Bourrinos. Ils font mal, hein. Ouh, comme ils font mal. Voilà. Vision du dessus. Mais, attendez. Ah non, c'est pas... Ah ouais, c'est... Ah mais oui, c'est un capital ship. C'est pas possible, hein. Ils en font combien, mais ils ont des ressources encore pour faire tout ça? Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, bon, bon. Là, j'ai vraiment beaucoup d'argent. Est-ce que ça change quoi que ce soit pour ce putain de titan? J'en avais encore jamais construit, là. J'ai vraiment envie d'y arriver. Franchement, ça ne bouge pas. Je ne comprends pas. Est-ce que je l'ai construit et que j'en suis pas rendu compte? C'est quoi cette arnaque? Ça m'étonnerait même pas des fois. Alors, là. C'est pas un titan ça, on est d'accord. Non. Du 9 classe. Ouais. Ah, il dit qu'il est encore en train d'attaquer, donc il est encore dans le système là-bas? Non. Ah, ici. Ah ouais, mais les nouveaux en train de se faire descendre les boucliers. Ils ont réussi à... Ouais, il est bientôt mort. Ouais, mais je crois que je vais rester dans le système, là. Je me suis pas fait démolir trop de vaisseaux. C'est bon. Alors maintenant, on se fait les tours Elgar. Ça... Ah non, il y a encore toutes nos amis ici. Ok, ça devrait jouer. Là, on va faire... Ah non, on n'en a pas besoin. Ok. 4 Kodiak. Et c'est parti. Bon, là on est bien. L'autre flotte est arrivée. Tout le monde se met ensemble. Hop là, des bombardiers en plus. Et puis vous allez vous mettre par ici. Ou plutôt, ouais, par là, pour vous réparer. Ok. Alors, là, ça tient le coup. On va se permettre d'accélérer un peu. Ah, on perd quand même quelques vaisseaux. Mais, moins qu'en face. Ah, j'accélère, j'accélère. C'est un peu risqué. Mais finalement, ma flotte tient plutôt pas mal le coup. Capital Ship, où c'est qu'il y a un Capital Ship? Il n'y en a aucun ici. Là, on est toujours à 4 fois. Et à une fois, ok. Bon, ce système, c'est plus qu'une question de temps. Il n'y a plus de tourelles de défense. Il n'y a plus de flotte. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Ok, on va les laisser à leur sort. Et est-ce que là, l'autre flotte est un peu remise? Oh ouais. Tout le monde est bien. Donc, on va les renvoyer ici. Oh, mais ça me saoule, quoi. J'avais vraiment envie de vous montrer et j'ai l'impression que ça va juste pas être possible. Et je comprends pas pourquoi c'est ça qui est le pire, parce que j'avais quand même lancé la construction qui se développe. Oui, ouais, je vais, de toute manière, je peux pas en mettre un deuxième, je sais, mais bon. Bon, écoutez, là je viens de vérifier, on arrive à la demi-heure. Je pensais que ça serait suite et fin, mais ça va être pour le prochain. Au pire, le prochain, je le montrerai pour que ça donne un épisode un petit peu plus dynamique. Pour l'instant, bah, on va continuer le travail d'érosion au niveau des deux factions ennemies. Et puis, promis, je regarde avant de lancer la prochaine partie pourquoi il y a un problème avec cette histoire de titan. Et bien sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était DRK36 sur Sins of Solar Empire Rebellion. Allez, ciao!